tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course Intermarché. Bon, c'est un petit retour de course. Hein. On a fait la point pour la semaine. On fait un peu avec ce qu'on a à la maison. Donc, du coup, ça va être plutôt des produits laitiers hein, pour la semaine. Et puis des petits trucs, quoi. Des fruits, des légumes aussi. Donc... Monsieur veut faire, il veut faire des hamburgers maison ce soir. Donc du coup on a pris des faluches. Et donc il y en a 4 dedans, on a payé 1,90. Ensuite, bah, on met souvent de la salade dedans. Donc du coup j'ai repris de la salade comme ceci en sachet. Sachant que la salade normale, elle était à 2,60€, j'avais trouvé ça cher. Donc là, j'ai pris en sachet et elle m'a coûté... attendez que je dise pas de bêtises. Alors, il faut que je la trouve déjà. Attendez. Bah alors, bah, je la trouve pas. Je pense que c'est... Bah mince alors. Ah voilà, elle était à 1,84 le sachet de 400 grammes. Ensuite, j'ai repris des crêpes au jambon hein, pour les loulous. Comme ça va être les vacances, on va pas faire de la cuisine. Voilà, on va faire de la cuisine rapide. Du coup, j'ai repris ceci et ceux-là, ils étaient à... Ah ouais, j'aurais du mal à trouver, hein. 2,40, il y en a 20 dedans de la marque Top Budget. Bon, ensuite, bah, les enfants, ils préfèrent ce pain-là. Donc, du coup, on a pris cela. Donc, c'est de la marque Chabrior. Et donc, ils étaient à 1,04. Il y en a 4 dedans, mais c'est des géants. Ensuite, j'ai repris des tomates. Donc, les tomates, c'est pareil. Ils sont, je croyais qu'ils étaient abîmés, mais non, c'est sachet. Donc, les tomates étaient à 4,19€ le kilo. Donc là, j'en ai eu pour 2,60€, hein, j'ai 60 grammes. Ensuite, comme je veux faire ma décrisse de poulet avec de la ratatouille, du coup, j'ai acheté des courgettes hein, pour faire avec. Donc, les courgettes étaient à... attendez que je regarde parce que je ne les trouve pas. Bah, le prix, il n'est pas dessus. Non. Mince. Assez. Ouais. Ils étaient à 2,99€ le filet de 4. Ensuite, on a repris du gruyère aux 3 fromages. Du gruyère. Du fromage râpé aux 3 fromages. Et donc, le gruyère râpé aux 3 fromages était à 1,91€. De la mimolette en tranche, donc elle était à 1,98€. Il y en a 200 grammes et c'est de la marque Pâturage. Ensuite, on a repris un saucisson sec de la marque Top Budget. Et donc, le saucisson sec était à 1,92€. Ensuite, on a repris des frites. Hein. Enfin, vous connaissez, hein, c'est la marque Top Budget aussi. Et donc, les frites étaient à 3,69€. Donc, ça n'a pas bougé pour le moment. Hein. On verra affaire à suivre. Donc, c'était, il y avait une promotion sur un acheté, le deuxième, à moins 60%. Du coup, on a pris de l'Edam parce qu'il n'y avait plus de Gouda. Donc, du coup, voilà. Donc, de la marque Pâturage aussi. Et donc, il était à la marque Pâturage, attendez, 1,98€. Mais bon, quand on a eu une remise de 1,19€. Ensuite, on a fait le plein de yaourt. Hein. Donc, on a repris ceci, marque Pâturage, fromage frais, saveur vanille. Ceux-là, ils sont, on adore. Donc, cela était à... 2,76€ et il y en a je sais plus combien. 8. Allô ? Ouais. Les yaourts, ils ont monté. Ensuite, on a repris. Oh mince ! Bon, ça va, c'est pas tombé par terre.
On a repris celui-ci au sucre de canne de la marque Pâturage. Il y a 16 pots dedans et on a payé un j'étais à 2,74€ les 16. Ensuite, on a repris les yaourts aromatisés, pareil, de la marque Pâturage. Il y en a 16 aussi dedans, oui. Et donc, on a payé 2,52€ le pack. Ensuite, moi, j'adore les yaourts au citron. Donc, voilà. Donc, j'ai pris cela. Voilà, de la marque Pâturage aussi. Et donc, cela était à 1,48€ les 4. Et pour finir, donc je vous ai dit, c'est un petit vlog, hein, un petit retour de course. On a repris cela. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris. Donc, on s'est dit pour changer un peu, peut-être, voilà quoi. Et donc, dedans, il y en a aussi, attendez voir, 16 pots aussi. Et cela était à... Donc, il faut que je trouve, parce que là, je trouve pas. C'est bizarre. Ah, ils étaient à 2,90€ le paquet. Donc voilà, c'est les courses, les petites courses d'appoint pour la semaine qui arrive là. Hein. Tous les vendredis, on fait à peu près ça. On fait ces listes, ces menus de la semaine. Et puis on fait l'appoint avec ce qu'il y a à la maison. Et en ce moment, on essaye de faire pour faire avec ce qu'il y a à la maison, éviter d'acheter. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou soirée. Hein. J'espère que ce retour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao !